Salut tout le monde, c'est Nasactu et là on va regarder une story de Sarah Frezou qui est à bout et qui dit vouloir arrêter les réseaux sociaux tout simplement. Et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Les amis, donc je viens de rentrer à la maison. Plus les jours passent et plus vraiment, je vais pas vous mentir, ces derniers jours j'avais vu vraiment au fond du fond, parce qu'il y a plein de choses que je comprenais pas, ce que j'arrive toujours pas à comprendre peut-être, mais en fait je suis en train de me dire bah c'est comme ça et il n'y a pas le choix en fait. Voilà, je ne reprendrai pas mes snaps aussitôt, là j'avais juste une petite envie de snapper. Faut savoir que inconsciemment il y a certaines personnes qui veulent tellement me voir bas que maintenant j'utilise cette force-là pour me relever. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. On remonte la pente petit à petit. J'espère que dans quelques jours ça ira parce que là ça fait un très long moment que ça dure. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Je reviendrai encore. Que votre ramadan se passe bien, moi ça va, franchement aucune faim. Bon, j'ai plus faim, ça fait déjà quelques jours. Mais comme je vous l'ai dit, vraiment, là, plus les jours passent et plus encore hier, oui, je pleurais. C'est pas une faiblesse de le dire. Il y en a qui parleront de karma. Il n'y a aucun karma, en fait. Et je ne polémiquerai plus sur ces choses-là. Vraiment. Ou ces personnes. Maintenant, vraiment, moi... franchement, entre hier et aujourd'hui, j'ai passé déjà un grand pas. Je vais pas vous mentir, mais vraiment, vraiment, parce que j'avais ce besoin de retourner en France. J'avais besoin de m'isoler toute seule, de péter un câble une fois pour toutes, pour mieux me relever et mieux sourire. Et je sais que ça foutra la rage à certains. Mais non, Sarah n'a pas... Donc Sarah n'a pas baissé les bras et... tout ce qui relève de l'ordre du privé restera du privé. Voilà. Donc, laissez-moi encore quelques jours. Mais je vous promets que ça, ce sera vite. Je parle de mon état. Hein. Je ne parle plus du reste. Je m'en fous. Portez des jugements autant que vous voulez. On verra par la suite, de toute façon. Et quoi d'autre? Voilà. En tout cas, vous, j'espère que ça se passe bien. J'espère que votre ramadan se passe bien. Pour ceux qui ne font pas le ramadan, j'espère que le confinement se passe bien. Moi, je suis rentrée en France et je suis tellement contente de retrouver mon appart, mes petites habitudes, même si voilà, j'habite à Dubaï et que je kiffe aussi Dubaï. Mais là, j'avais ce besoin de ce retour aux sources. Donc, je vais profiter un max, reprendre le sourire et reprendre de nouvelles aventures. Donc voilà, c'était la story de Sarah Frezou. Donc elle annonce qu'elle va se retirer des réseaux sociaux pour un petit moment. Voilà, ça peut être quelques jours ou voire une semaine. Et des fois, c'est bien de faire un break parce qu'en fait, il lui arrive plein de choses à la fois. Elle a représenté les DZ à Dubaï quand elle a envoyé les premiers screens des DZ à Dubaï. Tout le monde lui est tombé dessus. Ouais, vous utilisez DZ pour faire les anges à Dubaï. Ils ont confondu... Elle a dû se justifier, expliquer que ça, que c'est pas comme les, qu'il n'y a pas d'histoire de couple dans les DZ à Dubaï, que ça reste assez pudique, on va dire. Pour certains, pas assez pudique, pour certains Algériens, mais pour d'autres... donc il y a les DZ à Dubaï, elle a dû se justifier. Il y a le tournage des anges, il y a sa séparation, son divorce avec Ahmed Taï, Rania qui la clash. Après Rania, c'est Angel Salentino. Et donc, hier, elle était en train de criser limite. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui si elle a snappé ou pas. Je vais regarder ça après. Après, nul doute qu'elle n'a pas été toujours gentille par le passé, tu vois. Elle s'est embrouillée. Elle s'est toujours défendue dans ses embrouilles. Elle a toujours été combatif, on va dire, dans ses embrouilles, mais... Je sais pas si c'est vraiment un bon exemple de montrer, de promouvoir les embrouilles, je sais pas.
Je pense qu'ils devraient être un peu plus soft, comme les premières télé-réalités. Elles étaient beaucoup plus soft. Là, c'est limite s'il n'y a pas des vraies bagarres, quoi, dans les télé-réalités. Bon, c'est la limite à pas franchir dans les règles de la télé-réalité, les vraies bagarres physiques, mais des fois, ils sont limite, limite. Voilà, je trouve que c'est pas cool, mais elle, en tout cas, Sarah Frézou, là, elle s'en prend plein la gueule. Peut-être qu'elle en a mis plein la gueule dans le passé à d'autres, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment elle qui s'en prend plein la gueule et c'est un peu trop de choses qui lui arrivent, je pense, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez des infos supplémentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.